Aujourd'hui, nous avons organisé un atelier en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, connue sous le sigle OIM. Cet atelier fait suite au mémorandum d'entente que nos deux institutions ont signé et paraphé. Nous avons engagé des actions à court terme, notamment sur la question de la sensibilisation, le renforcement de la connaissance des droits, notamment des migrants, et la formation des acteurs locaux et gouvernementaux. Mais nous avons aussi aujourd'hui décidé de mettre en place un atelier afin d'identifier concrètement et dans le terrain les actions qui pourraient être faites conjointement entre l'OIM et la CNDH afin d'identifier les actions qui soient conformes à la fois à la politique de la stratégie nationale pour la migration, mais aussi du plan d'action national qui a été adopté par la République du Djibouti. Nous sommes très ravis d'avoir organisé cet atelier sur les actions à entreprendre pour la protection et la promotion des droits des migrants ici à Djibouti. Donc aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir plusieurs participants, et que ce soit les participants des autorités gouvernementales, sociétés civiles et aussi les représentants des régions, vu que les régions sont les plus touchées par la migration. Donc nous avons mis en œuvre des actions pour pouvoir faire un plan d'action et ainsi favoriser au plus les migrants de la protection et de la promotion de leurs droits.